Bien le bonsoir, chers viewers, et bienvenue sur Fun News Gaming. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire le Maître Corbac, et je voulais en profiter pour expliquer un peu la strat du donjon. Donc, le donjon est divisé, et d'ailleurs on a un Maître Corbac chanceux d'ailleurs, le donjon est divisé en plusieurs salles, donc au total 16, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, enfin bref, tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a un moyen super simple de se déplacer dans le donjon en fait. Je vous explique. Le Maître Corbac est quelque part dans le donjon. Voilà. Donc, vous pouvez demander où se cache le Maître Corbac. Est-ce que là où je vous dis que je suis chanceux, c'est qu'il est soit dans la première, soit dans la deuxième, ou la cinquième, ou peut-être la sixième. Et là, c'est vraiment sympa, parce que ça veut dire qu'il est soit ici, là où il n'est pas, parce que je ne le vois pas, soit là, soit là, soit là. Donc, pour maximiser mes chances, je n'ai qu'à descendre d'une salle, aller à droite, et donc j'ai en gros 2 chances sur 3 le trouver, et je n'aurai à faire que techniquement jusqu'à 2 combats avant de le faire, donc c'est parfait. Ça va être un Maître Corbac plutôt rapide. L'idée est simple, les Renarbot permettent d'aller à droite et les Buveurs permettent d'aller en bas. Si vous faites si vous arrivez à la toute à droite et que vous faites un Renarbot, au lieu d'aller en bas ou à droite ou en haut, vous allez tout simplement encore à droite et vous revenez à la première. Donc pas de chance pour moi, car si jamais il n'est pas à la 6ème salle ni à la 5ème, je vais devoir revenir jusqu'à la 7ème, 8ème et 5ème, puis 9ème, 13ème et 1ère avant d'aller à la 2ème. Donc on va éviter de se casser les méninges. Donc, demandez où se cache le Maître Corbac, voilà, donc il a dit là. Donc on va commencer par les Buveurs, hein, tout simplement, en avant. Donc chaque mob a un peu ses caractéristiques. Il n'y a pas et Buveur et Renarbot dans un même combat, ça n'existe pas, hein. Il n'y a pas de combat qui mélange les mobs. Et forcément, certaines maps du donjon sont meilleures que d'autres, mais ce qui compte, c'est de passer avec tout le monde. Donc on a des Buveurs ici, comme vous pouvez le voir, des Corbacs apprivoisés et des Corbacs normaux. Donc les Buveurs, il me semble qu'ils ont des faiblesses terre, je vais voir ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce donjon. Je vous explique rapidement, ce donjon je l'ai pas fait depuis qu'il existe en 2.0, qui a été modifié en 2. Je sais plus combien. Je ne l'ai jamais refait, hein. C'est-à-dire que je l'ai fait une fois en 1.28 ou 27 avec des amis à l'époque où les tracts n'existaient même pas encore, et je ne l'ai jamais refait depuis. Donc ce que je découvre là, c'est un donjon que je connais mais que j'ai pas fait depuis très longtemps. Donc il a moins 8% terre, moins 8% feu, il a 62% résistance à l'eau et moins 8% air. Donc le buveur, c'est pas un problème pour moi. En plus, ça n'a que 730 PV. Alors le donjon a l'air très simple comme ça, mais en soi c'est pas non plus un donjon de merde. C'est quand même un donjon avec des mobs plutôt équilibrés en soi. D'abord les Corbacs apprivoisés, même s'ils ont des faiblesses terre, avec les Corbacs aussi ont des faiblesses terre, donc ce qui est un donjon parfait pour moi. Il y a de la faiblesse d'or de partout comme vous voyez ici. Ça reste tout de même un donjon où les mobs frappent 1 assez fort, 2 sont assez bien organisés. Excusez-moi, j'avais quelque chose. Donc ce sont des mobs qui, malgré leur, on va dire, organisation moyenne et leur faiblesse assez élevée en terre, restent des mobs assez puissants qui peuvent faire assez mal et qui ne sont pas forcément des gros déconneurs. En l'occurrence, il a lancé, donc il m'en tire des chances d'esquiver les pertes de PM et il pousse. Voilà. Donc il y a aussi ce côté que les mobs sont quand même pas de la déconnade. Donc voilà. Bon, alors bien sûr, si je devais noter la difficulté du boss, ça serait entre le melou et le rasboule en fait, hein, tout simplement. Il prend rien, je pense qu'il a dû se rajouter des résistances, j'ai pas regardé. Il a fait buvette, donc il se rajoute 75% partout, donc ça peut être pas mal quand même, ça peut tourner trop vite à l'emmerdement maximum. Avec un debuff, ça partira rapidement, c'est pas un problème. On va voir ce qu'ils sont capables de faire d'autre. Donc je vais checker bien ce qu'ils font, hein, pour bien m'en souvenir, ok. Donc il a mis moins un PM à tout le monde. D'accord. Il y a beaucoup de contrôle du PM dans ce donjon, effectivement, hein, puisque tout simple, enfin, la question ne se pose même pas. Puisque les mobs sont quand même basés, enfin, c'est les combats qui sont basés sur le retrait PM en général dans leur jeu, ça c'est la base. Ils volent les PV quand ils frappent, si je vois bien, il faut absolument que je débuffe, hein. Et il y a un debuff, c'est toujours très important, que ce soit un Utroph, un Sadida ou même un Dragonnet, ça peut être très confortable d'avoir ça. Je pense qu'on peut rien faire d'autre, hein. On va faire buverie et se mettre pendant le cul parce que on va manquer de PM sinon très souvent. Donc voilà, buverie et pendant le cul. Et puis je vais poser normalement un dragonnet. Si je le pose ici, il devrait normalement débuff le buveur en priorité. Vous voyez que Red Winch a pris énormément de dégâts. Donc les mobs, voilà, ils ont pas beaucoup de PV mais ils déconnent. 0 d'acier. Donc hop, on va rapidement. Le dragonnet ici évidemment, avec lequel on va donner des PA hein, pour qu'il puisse agir. Et j'aimerais bien lui donner des PM, mais j'aurais pas les PA nécessaires. C'est pas grave. S'il va débuff là-bas, je suis vraiment dans la merde. Ok, il a débuff celui-là, hein, il a débuff le buveur qui était ici, c'est cool. Donc on va regarder sur le SRAM, c'est la vision du SRAM que vous avez. Donc voilà, il est débuff, donc on va rapidement s'en débarrasser, cacapouette. Pas de réflexion. Et puis pour le reste, ah, il a détecté le SRAM, ça c'est marrant, je pensais pas qu'il pouvait faire ça. Et pour le reste, ça se fera à coup de flèche punitive, hein, tout simplement. Et de tout ce qui nous passe sous la main, hop, une première punitive ici. 178, c'est correct. Alors ensuite, avec la sacrie, on va, je pense, coop un des corbacs apprivoisés pour aller chercher l'autre buveur et l'autre corbac apprivoisé là-bas. Donc coopération, il manque un PO mais c'est bon. Voilà. J'ai toujours 3 PM, je vais pouvoir détour ici. Donc normalement je suis censé les tacler, on va voir ce que ça donne. Et puis dans le positionnement qu'on a actuellement, ils peuvent pas me pousser. Hop, donc il va marcher sur le piège, il est à... Oh putain merde, il a que 9 PV, c'est dommage, j'aurais pu le tuer sur le coup. Donc voilà, les corbacs normaux ne font absolument rien de dangereux en soi, hein. C'est pas vraiment eux le problème. Hop, une petite ronce insolente pour rendre le buveur faible à tous les distances de nouveau. Un petit coup d'épée pour le taper au passage. Donc la ligne haut bien sûr reste à même 62%. Alors c'est un buveur parce qu'il a, un sac à boire sur la tête, c'est ça? Non, il se balade avec un truc derrière pour boire, je sais pas. Je ne sais pas et je m'en bats les couilles. Tout ce que je veux, c'est qu'il meure. S'il te plaît. On va aller chercher le corbac apprivoisé et le buveur là-haut aussi. À coup de mutilation épée du Yop. C'est pas grave que le sacré prenne des dégâts. Enfin, la sacrée en l'occurrence, pas deux. Par contre, elle a pris 264 et les autres même pas 100. Ça, c'est problématique. Elle va chercher la punie de toute façon là, hein. Le but c'est d'aller chercher la punie pour choper l'autre. Dernier tour ici, à 26%. Ensuite je pourrais faire un, de toute façon du soin, c'est pas un problème. Hop, le buveur qui est à 12 PV, on s'en débarrasse. Le corbac apprivoisé, beaucoup trop apprivoisé, c'est pareil, on s'en débarrasse. Il a quand même une petite tête d'Angry Birds, hein. C'est quand même... Franchement, hein, ce donjon, c'est... Enfin, il a quand même une petite tête d'Angry Birds. Donc voilà, j'avais pas envie de vous le faire ce donjon à deux, pourquoi? Parce que ce donjon peut être très court et quand je suis arrivé dans la salle, je me dis ah yeah, c'est un donjon très court, on profite d'un donjon absolument. C'est parfait. Oh là là, 147, 120, les dégâts, putain il lui manque vraiment son PA du level 100 pour être efficace à fond. Quand il l'aura, ça va être génial, hein, Panda Wasta et tout le bordel là, pouf pouf pouf, ça va être quelque chose. Hein. Rapidement, on va appliquer un peu de soin sur les gens. Vraiment on en appliquer un tout petit peu. Hein. Bon, le corbac qui joue là juste après, on s'en débarrasse, 78 PV il l'est fait, parfait. Il y a le corbac qui a 39 PV là-bas mais c'est pas grave, la Cra va le gérer avec une cinglante, on va plutôt attaquer le buveur. Bon, c'est de ce saloperie. Ah bon, le dragonnet fait le taf. Toujours du mal un peu à prévoir ce que les invocations vont faire parce qu'elles sont pas toujours très prévisibles, on va dire que des fois elles sont surtout même désobéissantes. Il n'y a aucun obstacle sur la map de ce que je vois. Il a des buffs. Ah oui, alors c'est vrai que les corbacs ça débuff. Ça va être très chiant. Sur une destructrice, est-ce qu'il meurt? Non, il a beaucoup trop de... Il est mort sur 2 destructrices, c'est pas grave. J'aurais pas le temps d'utiliser châtiment forcesque, donc on va juste taper. Moi je suis à 62% PV, donc c'est pas suffisant encore. Ici pareil, 2 coups d'épée devraient faire le taf. Alors voilà, c'est des mobs qui ont vraiment pas beaucoup de PV, mais pas beaucoup de résistance, mais qui sont chiants en fait, tout simplement. Le corbac apprivoisé qui est ici, foudroyé sur le coup par une attaque mortelle. Ça rend bien dit comme ça. Voilà, et puis il a toujours buvette, hein, c'est l'autre qui lui a filé buvette, hein, c'est ça. Hein. Il a buvette de la part de l'autre en fait, hein. Il met buvette sur les alliés aussi, ok, bon, c'est notre... J'en prendrai compte, mais je vais quand même le tabasser, hein, parce que bon, il est à 100% de résistance. Et buvette prend fin, oui alors c'est vrai que ça c'est marrant aussi. Les effets des mobs prennent fin au début du tour, enfin à la fin du tour des mobs qu'ils portent, pas au tour du lanceur, et ça donne parfois des résultats assez sympathiques en fait. Est-ce que je pourrais pas me soigner avec un curatif quand même avant, voir que mon altruiste soit suffisant? Voilà, tout le monde est full vie presque, sauf la sacrie. C'est pas un problème, je peux encore soigner avec des poupées, tout le bordel. Ouh là j'ai pris super cher là par contre, non? Pas du tout, j'ai cru que j'avais pris cher mais pas du tout. Il y a un mix de ce qui s'affiche à l'écran. Hop, on va profiter de nos 6 PM maintenant. Pour aller enfoncer dans le buveur quelques centaines de dégâts. Ah. Ici encore quelques-uns. On va accompagner ça de soin sur la sacrie. Ce serait bien qu'elle soit full vie. Excusez-moi, je tousse. Ça doit être désagréable. Et puis normalement, si je me place bien, si je me place ici, là j'ai l'angle de vue avec la cratte. Ça vient à la 5 pm. Ah, ça sera pas. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer sur la 10p. Un peu plus de PA sur le coup. Inutile, normalement j'ai la portée. Ah, j'ai pas la portée. Putain, les salles sont plus grandes que ce qui me semblait. Ah, dommage. Bon, j'ai gâché ma punitive, c'est pas grave. C'est pas comme si c'était important dans ce combat-là, c'est juste une salle à 2 balles. En soi. Hop, on va frapper 2 fois au pied de ses crieurs, des tours. On va avoir la vision. Et l'osa est devant. Putain, le placement, c'est pas encore ça, Flynn. Allez, hop. Tout le monde passe, du coup. Hein. Le tour de Yop, il fera pas 559 PV d'un coup, mais bon. Tout le monde passe, j'ai dit hop, 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 hop. Allez, hop. Il me semble que j'ai une pierre de capture, ouais, j'ai peur, je me dis viens chemin, j'ai pas emmené de pierre de capture, c'est trop con. Ça aurait été regrettable comme étape. Donc on rappelle hein, que comment on dit, le boss est techniquement dans la 5e ou 6e salle, ou la 2e aussi. On ne sait pas vraiment où il est, mais il y a quand même de grandes chances qu'il soit dans la salle dont on parle. Ah oui, le sacré est carrément une pierre de capture d'équipé en fait, donc c'est... Oui, c'est vrai que la capture de Crocabulia n'était pas passée. J'ai fait un Crocabulia tout à l'heure qui a mal tourné, donc j'ai pas pu capturer malheureusement. Hop, vire-moi ça. Je sais pas du tout à quoi ressemble le combat contre le maître Corbac, je n'ai pas de souvenir du tout. Donc on va voir s'il est là tout simplement, déjà pour commencer. Donc, voilà, hop, on est descendu d'une salle tous. Youhou, comme je disais avec les buveurs, et il n'est pas là, il n'est pas là. Le maître Corbac n'est pas là, donc si je parle à Virgile, et que je lui demande où se cache le maître Corbac, il me dit donc... 5e, 6e ou 2e salle ou première salle. Et je sais qu'il n'est pas ni dans la 5e ni dans la première. Donc là il faut juste espérer que j'ai pas à faire un putain de détour de ouf à coup de buveur. Je spam les buveurs tellement qu'on sortir. Donc là il faut que j'aille à droite. Donc je vais agresser des renarbots tout simplement. On va agresser des renarbots. Hop. Et puis rapidement je vais vous montrer donc. C'est le map de merde. Donc voilà. Hop, là j'ai opposition, vous voyez on est descendu d'une map et donc techniquement il est soit là. Donc si jamais il est là, je peux aussi juste faire 1, 2, 3 combats, c'est pas un problème, ça va. Mais ça serait quand même chiant, j'avoue que je serais un peu déçu. Techniquement j'aurais pu aussi partir sur la 2e salle et descendre dans la 5e et j'aurais eu quand même autant de combats à faire. Bref, j'ai eu un maître Corbac chanceux, mais c'est pas le ultra lucky. Le ultra lucky c'est quand il vous dit il est dans la première, 2e, 3e ou 4e. Là vous êtes en général quand même plutôt bien parti, hein, puisque par mesure que ça avance. Donc voilà, les renarbots ont 6-10% en terme, ils ont 68% feu. Donc vraiment, je suis vraiment pas embêté dans ce donjon. Pour le coup, le problème c'est plus les clés. Je vais obtenir la masse de clés pour ce donjon, c'est un peu problématique. Je sais pas du tout comment on les craft, je verrai c'est quoi la recette. Et alors, il y a des choses qui valent cher dans ce donjon. Le clacos du maître Corbac, par exemple, vaut très cher. Les renarbots, ça a l'air d'être des putains de tofu en soi. Le clacos du maître Corbac en soi vaut très cher. J'ai encore la pioche sur le Sram, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. Et puis qu'est-ce qui vaut cher d'autre? C'est possiblement, je pense, les plumes en grande quantité, parce qu'on faut en payer quand même quelques-unes. Alors je pense pas que j'aurai le clacos sur ce combat-là, parce que j'ai pas énormément de PP sur la team. Excusez-moi, c'était le bâillement. Et parce que en soi, le clacos c'est un item plutôt rare. Attendez, qu'est-ce que j'ai? Ça se fait que mes personnages se retrouvent dans des ordres de jeu aussi délabrés. Alors, pas de critique. Ah putain, j'aurais dû lancer tir critique avant, j'y pense jamais. Mon tir critique ne me faisant arriver que de 1 sur 30 à 1 sur 17, c'est pas vraiment une différence. D'accord, ça vole des PA et ça met un cri qui fait des faiblesses face au feu, plutôt beaucoup, hein, 100%, c'est énorme. Donc on va se méfier quand même. Mutilation est ici, épée d'Yop pour tuer le Corbac qui est à côté. On va mettre une amplification au passage, on va gratter 7-8 de dommages donc. Épée d'Yop. Ah, est-ce qu'elle est partie? Oui, c'est bon. Voilà, 170, le Corbac à côté meurt évidemment. Hein, c'est juste histoire de clean le Corbac parce que le Corbac est chiant à clean. Donc ici, l'Osamodas peut pas taper les renarbots en gros, c'est pas vraiment un problème. Alors, l'avantage de ce donjon, en outre d'être un donjon donc, très facile à explorer et. Facile à comprendre et donc de rapporter beaucoup et d'avoir des faiblesses terre énormément, c'est que techniquement j'aurais même pu XP ici parce que je vais toujours trouver des groupes d'une certaine taille Et vous pouvez même XP ici quand vous êtes assez haut level. Si vous avez un perso terre ou même air ou même ou feu, alors qu'il y a des mobs avec des résistances dans ces éléments, il suffit tout simplement d'enchaîner salle sur salle en ne visant à chaque fois que des mobs que vous pouvez faire facilement. Donc priorisez bien sûr des mobs que vous pouvez vraiment faire facilement. Si vous avez du debuff par exemple, si vous êtes un panda ou si vous êtes un nutrophe, vous pouvez vous faire les buveurs. C'est pas trop un problème. Malgré le fait qu'ils aient des résistances haut, si vous êtes un nutrophe feu ou terre par exemple, ça passe. Évitez d'aller vous faire les buveurs si vous pouvez pas les debuff. Hein. Pareil, les renarbots, si vous êtes full feu et que vous n'avez pas d'invocation, si vous êtes un Irifia par exemple, vous n'avez vraiment pas d'option de taper autrement, c'est peut-être déconseillé. Mais ça peut se faire, on peut XP là-dessus, c'est des salles de donjon après tout, donc voilà. Il a mis un buff, le plus 3 à la portée à son copain. Je suis pas contre le partage, mais moi je veux juste me mettre ici, en fait. Ça pourrait être chiant. On va faire douleur partagée, et puis on va faire châtiment forcesque. Voilà, c'est tout. C'est cool, excusez-moi. La Sadie a pris super cher, hein, forcément ils l'ont tous tapé à la filée. Elle va gentiment nous terminer d'un coup d'épée ce Corbac apprivoisé. Pas... 24 PV, tu exagères, sérieusement. Voilà, donc le fait de jouer Sadie dommage, c'est toujours un peu drôle au niveau de la flamiche parce que ça passe aussi bien que... Ça passe aussi bien que sur les classes qui sont faites pour, mais bon. Hop, le renarbot, il va prendre une attaque mortelle, ce qui le met assez mal. Il reste donc un Corbac en balade et le Corbac apprivoisé. Alors ils attirent, ils poussent, ça c'est rigolo. J'aime bien le principe de ce mob. Il est dégueulasse hein, en soi. Hein. Je veux dire, le mob il te tape en attirant ou il te tape en repoussant. C'est pas vraiment très imaginatif pour des mobs qui sont quand même dans un donjon qui est basé pour des gens niveau 90-110. En gros c'est ça, hein, parce qu'il y a quand même une certaine gestion malgré les PV des mobs et les niveaux des mobs de ce qu'ils sont capables de faire. Et particulièrement le maître Corbac est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais... Voilà, le mob peut te pousser et t'attirer, c'est incroyable, c'est très gameplay quoi. C'est game breaker, car clairement c'est une méthodologie qu'on n'avait pas encore vue, hein. C'est pas comme si à l'époque il y avait plein de sorts pour attirer et pousser. Donc bon, c'est vrai que sur le coup si le Corbac t'avait genre appliqué un effet de genre, lorsque vous avez cet effet là, les Corbacs vous font plus de dégâts, tu vois, ça, bon, voilà, ou picorement, tout allié qui fait des dégâts, ça, genre, si, il est apprivoisé, tu vois, tu fais un truc autour du fait que c'est un là quoi. Ah mon dieu. Bon, moi ils portent pas le nom de rappeur ou ils ont pas. Je veux dire, je me bats pas contre des Jules Corbac ou des Black M Corbac, mais bon. Ils sont pas imparfaits non plus, hein, ils ont quand même des avantages. Mais c'est pas des mobs les plus hauts du jeu quoi. ça. Alors il va rien faire en dégâts, mais il a plus que 172 PV, donc je devrais pouvoir arriver à non rater, dommage. Un petit coup de crackler, du coup ça passera bien. Parfait, le crackler qui arrive à se montrer. Ah putain, j'aurais dû frapper le Corbac qui est là. Bon, il a 26% feu, j'aurais pas tué. Le Corbac qui arrive à se montrer très très intriguant encore une fois. Hein. Le crackler hein, qui nous démontre toute la puissance du crackler. Un renarbot qui prend donc 2 coups d'épée et on va se retrouver à droite. Et là, si jamais le maître Corbac n'est pas là, je vous ferai une coupure parce que bah, vous aurez vu un combat de chaque et vous n'aurez pas besoin de voir les 3 autres combats que je vais me taper en mode rage. Ou alors j'aurai de la chance, ou alors je chatte de ouf. Et donc là on va prier pour la chatte tous ensemble. Je vous laisse croiser les mains vers le ciel et prier pour la chatte. Priez pour la chatte. Pour la chatte. Ah je le vois, je suis sûr, je le sens là. Il est là. Il est là. Le maître Corbac est là. Ah là là. On va vérifier le stuff de tout le monde a bien le bon stuff. Hop, ça c'est bon ici, c'est le bon stuff. Ici, le bon stuff, on va rééquiper rapidement. Hop, ah. Et on est parti complètement, hein, il me semble, hein. On lâche rien. Et ensuite, ça va être le bon stuff partout, parce que je les ai connectés comme ça. Donc, ici, on a Renaud le renarbot, donc qui est un renarbot amélioré finalement. On a Capotil Buveur, qui est un... Excusez-moi, je vous montre ça. Qui est un buveur amélioré. Et on a Horace, le Corbac apprivoisé. Et je n'ai besoin d'une pierre de capture que 200. Donc c'est pas si mal. C'est une bonne nouvelle, parce que ça coûte cher quand même. En ce moment, c'est un peu la dèche. Et je n'ai pas de pierre de capture 200. Est-ce que j'ai des pierres de capture 200 sur le Sram, il me semble? Vérifions. Oui, j'ai pris des armes, tiens. Parce que je capture des melous pour les revendre en ce moment. On va juste se déplacer ici. Voilà. On va échanger avec... la Sacrie, et puis on va lui filer les pierres. Donc on rappelle que la Sacrie elle sort niveau 5, donc elle a 15% de chance d'amélioration de capture. Donc elle a 90% de chances que ça passe, donc déjà c'est plutôt rassurant, ça évite de merde, hein, tout simplement. De 15% de plus, et une fois qu'elle aura niveau 6, donc une fois qu'elle sera niveau 101, ça évitera de chialer sa mère tout le temps, parce qu'elle aura 100%, parce qu'elle sera 25%. Et une fois passé ça, on va juste tous rentrer en combat. J'ai pas fermé les fenêtres du combat précédent, et j'ai pas fermé le monde, j'ai intérêt à rentrer tout le monde. Panique. Bref, tout le monde est là. Et donc le maître Corbac est l'un des mobs les plus stylés de la 1.29. Regardez-moi ce skin, sérieusement. Vous vous souvenez, à l'époque où on était capable d'échanger les skins dans les dossiers du jeu, moi je me souviens... Barbare, hein. Barbare et versatile. Versatile, ok, barbare, fait chier. Moi je me souviens, donc il a 1800 PV le Renarbot au passage. Alors, vite fait les stats, 1800 PV, les mêmes résistances à peu près. Ici, 1750 PV, sûrement les mêmes sorts au passage. Et le Corbac apprivoisé pareil. Et le maître Corbac qui est ici n'est pas trop dur, ça va aider. Ça va être plutôt simple. Donc on va commencer par lui mettre ronce, sacrifier, et puis on va... j'ai foiré, j'aurais dû mettre dans l'autre sens. J'aurais dû mettre d'abord Flamiche. Donc, le maître Corbac a 5500 PV, donc c'est une certaine poule de PV quand même, on va pas se mentir. Et il invoque des Corbac hein, pour changer, et il se met en forme de cocon. Alors la forme de cocon du maître Corbac, ça y est, ça vient de revenir. Il faut pas taper sur Carapace d'elle, c'est une très 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 mauvaise idée. Dommage retourné 150. C'est pour ça qu'encore une fois, eh ben moi team est la bonne. Entre deux vantardises absolues. Ici on va avoir un gros avantage donc avec l'équipe P-Winch si vous voulez, on va dire ça comme ça. On a du debuff ciblé instantané sur tous les 3 tours. Et là ronce insolente contre le maître Corbac, c'est juste much bonheur. Je m'explique rapidement. Régulièrement, il se met en cocon. C'est pas une mauvaise chose. Il est à moins 5, moins 12. Il fait pas chier son monde. Mais une fois qu'il est en cocon, il est intouchable. 150 de dommages retournés, c'est juste se faire enculer sec volontairement. Donc, il est très bon de noter que parfois, il est sympathique qu'un mob décide volontairement d'être inactif. Il est par contre moins... C'est le buveur qui a remis les résistances. Il est par contre moins sympathique de noter que bah, tant qu'on peut pas le frapper, bah, y a toutes ces invocations qui vous font chier, les autres mobs qui font chier, etc. Et donc ça peut être embêtant. Surtout pendant 3 tours, c'est quand même assez long. Donc on va rapidement commencer à jouer la punitive. Alors il faut que je la charge. Il faut que je charge cette punitive, c'est important. On va la charger sur le Corbac qui est là, puisque techniquement c'est un Corbac invoqué, mais mieux vous m'en débarrasser avant qu'il y en ait trop. On va ensuite mettre tir critique, on va se rapprocher de l'Eniripsia pour mettre tir éloigné tout de même. J'aurais dû mettre tir critique avant la flèche punitive, c'est pas grave, je suis pas à 5 de G en plus, ça fait quoi 30 de dégâts grand maximum sur cette cratte. Pour l'instant c'est pas grave, surtout que je sais pas du tout comment on va passer la prochaine punitive. Au passage un petit rappel, donc la map où je suis actuellement, voilà à quoi ressemble le tactique de la map, donc c'est pas trop problématique comme tactique. Le Yop a pris des dégâts, mais ce qui m'importe vraiment là tout de suite c'est de stimulant le Yop en question. On a de 2 PA pour qu'il puisse faire, alors il ne pourra pas faire double épée de Yop mais il pourra faire mutilation, concentration, intimidation et aussi au passage rajoute, alors normalement il prend 0 de dégâts si je fais ça, ouais c'est ça. Et le buveur rajoute combien avec son sort 75%, ok, rien de plus que d'habitude. Donc il pourra faire concentration, intimidation et pression, c'est ça. C'est le truc à faire. Et avec 2 PA de plus, il fait plus de choses. Donc hop, on se rajoute un PM sur le panda. Enfin, on s'en a rajouté 2, mais le jeu marque 1 parce que je suis à moins 1 à ce moment-là du jeu. Alors versatile, c'est un peu le bonheur de l'Osamodas. Et en l'occurrence, le maître Corbac, c'est aussi un peu le bonheur de l'Osamodas. Donc on va commencer par poser un Dragonnet et un Bouffe-tout. Voilà. Versatile pour le coup est pas compliqué comme dans Osamodas. Donc il va me débuff moi, je suppose parce que j'ai un buff du Renarbot, hein, c'est ça. Hein. Buff du Renarbot qui inflige des dégâts Carapace d'elle. Ah oui c'est vrai qu'il vole des points de vie aux gens. Ah putain. Donc voilà c'est pour ça qu'il se manque Carapace d'elle, j'avais complètement zappé. Dis donc c'est rigolo comme tactique, c'est très chiant mais c'est rigolo. On va sacrifier le petit monde qui est ici. Bon, je suis pas encore apporté, c'est pas grave. Bon, on va commencer par mettre les châtiments parce que de toute façon on va y arriver. Voilà. Avec la Sadie on va débuff le Renarbot donc pour commencer à le frapper tout simplement. Renault le Renarbot est donc débuff. Ça sera donc feu de brousse c'est pas une bonne idée, ronde c'est pas une bonne idée, gonflable c'est pas nécessaire. Un coup d'épée. Hop, donc on explore toujours les les options de jeu, même si je suis largement au-dessus du groupe, etc., du donjon. N'oubliez pas d'explorer vos options de jeu. Donc attaque mortelle, je peux la faire qu'une fois, puisque je veux te faire le challenge. Il prend que 79, hein, il a toujours son truc de résistance. On va lui mettre un piège ici et un piège là, en espérant qu'il prenne les poisons ou les dégâts. Et ensuite, je vais redescendre sur le Renarbot, parce que mon but c'est ça, quoi. Donc il va me frapper au corps à corps, je pense. Ok. Ici, donc j'avais dit mutilation une fois, du coup. Hein. Là. Concentration. Là. Intimidation et pression ensuite. Alors à la place de pression, pour l'instant, je veux juste mettre souffle ici, voilà, tout simplement. Donc, ça va dégager la ligne de vue 1 pour la Cra, qui va pouvoir cinglante, donc ça va lui réduire quand même ses PM en partie. Et j'espère en fait surtout pouvoir coller la Nini au Yop assez rapidement. En tout cas, la Nini et la vue. Non, la Sadie a pris vraiment beaucoup de dégâts. Bon, après, je peux pas perdre avec la team que j'ai, hein, on le sait. J'ai beaucoup trop d'options de cheat, de résurrection et tout le bordel. Voilà, je pense que Loza, si je lui laisse que le Maître Corbac, il se le fait, donc bon. Pas un problème. Ok, il vient se recaler. Bon, il va aller sur la Sadie, du coup, il faudrait que je soigne la Sadie d'urgence, là. Parce que 135 PV. Il va revenir entre nous deux ou pas? Ça m'embêterait beaucoup, hein. Ça m'embête beaucoup. Sachant que Loza peut soigner, je peux appliquer d'urgence pour éviter que Lenny, le Yop et la Sadie soient en difficulté. Je peux appliquer d'urgence un mode altruisme. Donc je vais le faire. Je perds l'utilisation de tous les sorts de soins de la classe Neripsia sur tous les personnages de l'équipe. Mais, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, on va frapper une fois déjà. On ne frappe pas deux fois, je fais le challenge. On va ensuite se débuff au lait de bambou et on va appliquer une vulnérabilité terrestre. Comme j'ai déjà expliqué, on a l'osa, les gonflables, tout le bordel. Donc à partir du moment où on va clean les mobs au fur et à mesure, hein, ça va se faire, ça va devenir beaucoup plus facile. Donc hop, le crackler. Donc le crackler et le bouvetou sont à côté, donc on leur pose les PM et les PA, parce que ça leur permet de frapper deux fois. C'est pas le cas pour le dragonnet. Lui donner des PA ne sert à rien, il a une limite de sort par cible et par tour de 1, donc ça ne sert malheureusement techniquement à rien. Donc c'est pas la peine de avec ça. Le bouvetou avance, qu'est-ce qu'il nous fait? D'accord, il a clairement pas envie de tester le fait qu'il y a un chemin ailleurs, ça lui fait pas, envie. Hop, on va venir sacrifice les deux zigotos qui sont ici, tout simplement. Et puis châtiment vida, bah, pour pas prendre trop de PV, tout simplement. Et donc la Sadie avait pris vraiment très cher. Ici elle va pouvoir se venger avec un coup d'épée. Et ça tombe bien, il lui reste 3 PA pour mettre une ronce par-dessus. Donc ces mobs sont incapables de se soigner, il me semble bien. Donc ça va aller assez rapidement, le renardeau étant presque mort. On va mettre ici un piège mortel derrière pour le pousser dedans. Il en est où là, hein? Il a buvette dernier tour. Donc il a encore buvette pour un moment. Pour un petit moment, mais il a encore buvette. Donc on va lui mettre poison. Et je vais rajouter... Je vais mettre concentration de chakra, tout simplement. Voilà. Ah, j'active pas le piège mortel tout de suite, c'est pas mon but. Ah, il m'a poussé. Bon, il a pris le piège empoisonné du coup. C'est dérangeant. Là, ça me dérange, mais ça peut se régler. Donc, encore une fois ici, une mutilation pour versatile. Faire deux mutilations, ça serait quand même mieux. Et c'est vrai que je passe à cause du... Ah, ça c'est embêtant à cause du... puissance ensuite. Et puis... on va faire pression sur le buveur, tout simplement, qu'un petit buveur. 32, hein, ça passe assez bien, mais c'était pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Donc un petit rappel, juste me faire un rappel du tactique. Pouvoir normalement, ouais, je dois pouvoir mettre la punitive donc sur le renardeau. Donc la punitive sur le renardeau qui est à 739 PV, qui passe à hop moins 421, il passe à 318 PV, 71. Donc clairement il va jouer son tour, mais il est dans le quoi, voilà, il est dans le caca. Hop, ici je peux le frapper légèrement, pas très fort, hein, j'ai pas trop le choix. Je frappe que la moitié des dégâts, donc c'est 23. Je peux le pousser aussi une fois, pour toujours le versatile, on n'oublie pas. Je peux lui mettre beau vampirique, je sais que c'est con, mais ça passe aussi, hein, ça fait des dégâts. Voilà, et puis le panda qui est ici va pouvoir mettre encore une vulnérabilité terrestre au corbac improvisé, pas plus, on est toujours dans l'idée qu'on essaie d'économiser au maximum. Hop, une panda attaque à 277, donc c'est plutôt bon, enfin il y avait des faiblesses etc. dès le début, mais ça c'est... Hein, on va s'y attendre. Et donc on va pouvoir utiliser l'osa pour faire un premier soin animal ici. Hop, et rajouter une grille spectrale sur... Ah merde, je suis pas dans le bon angle, j'avais pas vu. Ah, dommage. De petites erreurs. Je ne peux carrément pas du tout frapper. Alors on va utiliser... on va faire un peu d'ironie du sort, on va utiliser Corbac. Voilà, hein, contre un Corbac. Enfin, contre un renard qui se fait passer pour un Corbac. Vous comprenez bien sûr que ce donjon est une parodie des fables de La Fontaine. Hein. Un maître Corbac, hein, le renard. Et ce qui est assez marrant, putain je m'en souviens pas du tout de cette fable, c'est dommage, hein, c'est l'une des meilleures. Évidemment si le maître Corbac lâche un clacos, ce n'est pas pour rien. Hop, petit pied de sécrieur, petit saut, j'ai vraiment les châtiments qui sont à 0 de 0 mais c'est pas grave, il y passe. Voilà, et enfin on va passer sur le buveur, parce que vous savez que donc, vous l'avez vu à plusieurs reprises, il donne 75% de résistance partout. Et c'est très chiant, voilà, ça se résume à ça, c'est chiant. Donc hop, un coup d'épée, une sacrifiée, c'est suffisant. Hein, il a des résistances haut seulement. Hop, la sacrifiée vient mettre un petit 115. Humour de merde. Et le maître de Corbac est de retour dans le combat. Donc j'ai réussi à me débarrasser d'un premier mob, le temps qu'il revienne dans le combat. Ici, je vais mettre piège mortel. Voilà. Piège sournois. Je vais accompagner ça d'un piège répulsif ici, tout simplement. Et ce qu'on va faire ici, c'est super con, vous allez voir, c'est Magicomix. C'est qu'on va faire. Donc mutilation nous permet de revenir à la place du sacri. Là, par contre la Sadie a pris super cher. Là on peut faire concentration. Là. Puis ensuite on va faire intimidation. Et bam. Il prend la suite. On fait pression. Tout simplement parce qu'on a versatile. On se décale. Ensuite la cratte. On va nous mettre... la destructrice sur le buveur. L'idée c'est de focus en général le buveur en premier après un debuff, mais bon là ici on n'a pas pu changer. Voilà, ensuite une cinglante, critique en plus, 113. Et là Lenny va juste pouvoir pousser notre ami le buveur, donc après lui avoir fini un mot interdit et un mot vampirique, elle va pouvoir le pousser donc hop d'une case, il prend le sournois, il revient au corps à corps grâce au répulsif. Ensuite, c'est le panda qui joue toujours ici de ce côté-là. C'est pas grave pour le bouffe-tout, j'en ai rien à foutre qu'ils prennent quelques dégâts, on n'est pas à ça près. On va taper pour que le Corbac apposé qui est derrière prenne 245. Et on va boire pour l'alternance des effets sous en gros. Hein. Et on va pouvoir aller ici. Donc, on va pouvoir mettre une grille cinglante. Et puis une frappe du Crackler, c'est très bien. La zone de la frappe du Crackler est parfaite. La place à cri mais c'est pas trop grave. La frappe du Crackler. 127 de plus. Et on peut rajouter un Corbac à cette frappe du Crackler tout simplement. Ensuite le Crackler lui-même va aller nous voir. Ah il va sur le Corbac à reposer des bords. Oui il a pas tort en soi. Le maître Corbac il en est où de ses effets? On va regarder les effets. Donc il est tout nu là pour l'instant, il a 0 buff. Donc il n'y a pas de danger techniquement, il peut juste mettre des dégâts je pense. Je pense pas non plus qu'il OS au corps à corps malgré le fait qu'il se bat avec une faux. Hein, ce serait quand même très chiant. Hop, 47 et un petit 57. Bon, c'est pas super les châtiments en ce moment, mais c'est pas grave. Et donc, feu de brousse, ça le tue normalement. 44-15, dommage, pas le cas. Fait chier. Gonflable, quand même, c'est pas grave. Parce que normalement, le SRAM termine. Donc la gonflable, vous vous rappelez, c'est l'outil de soin absolument magique qui soigne, en plus de soigner les invocations, soigne tous les alliés, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, il va pouvoir nous faire un premier sort. Et il a tapé fort, donc sanction ténébreuse, ça fait juste très mal. Si ça avait été un OS, il aurait pas eu moins 257, il aurait juste des pops. Donc c'est pas un OS, par contre il a fait moins 257 sur un Crackler. Ça fait quand même pas mal de dégâts en soi. Et il nous pose un Corbac de merde, un truc chiant en plus. Hein. Bon, c'est pas grave, hop, on va pouvoir rapidement attaque mortelle, le buveur pour s'en débarrasser, hein, c'est le but. Voilà. Et puis on va essayer de choper le Corbac dans une situation qui nous avantage. Et il y en a une juste là qui nous est donnée, qui est pas ouf de base. On va mettre le Yop ici et on va vitalité sacri, voilà. Le cas de sacrifice, elle qui peut régulièrement prendre des dommages pour tout le monde. J'aurais peut-être pu mettre épée Yop sur le privoisé mais c'est pas grave. Hop, la Cra, elle va nous punitive le maître Corbac direct. On commence, hein. il faut l'enchaîner. 240, 111, rien d'étonnant. La Nini, elle a 4 tours avant de pouvoir soigner, c'est pareil, elle va nous tuer le Corbac apprivoisé pour commencer. 46 de dégâts seulement, fait chier. Et 23 de dégâts, c'est bien, il me manque juste très peu et je peux pas faire Flamish à ce portée là, si, parfait. Ok, Flamish, ça vire. Donc il est mouru, le panda. Le panda a bu, donc le panda frappe, boum, 92, c'est pas super. Allez, hop, et le panda boit, mais du lait de bambou. Le panda met vulnérabilité terrestre. Et ensuite on va pouvoir donc commencer par soin animal, là ça dit de ce côté là. On a soin. On a bordel. Hop, parfait. Le bouffe-tout va nous taper le maître Corbac qui va lui mettre pesanteur et tout le bordel, mais c'est pas grave. Et la Sadie est toujours là, et c'est ce qui compte, parce qu'elle va juste passer son tour pour l'instant. Et la Sacrie, elle, va nous mettre absolument rien, donc pareil, hein. Si, elle va nous mettre juste douleur partagée au cas où c'est le SRAM qui prend. Ah putain, c'était elle qui devait jouer, je suis con. C'est pas grave, passage de tour, c'était la Sacrie qui devait jouer. Voilà, petites erreurs de jeu sur petites erreurs de jeu. Des fois on fait des petites erreurs de jeu qui s'avèrent être grosses, là c'est pas le cas encore, mais on va éviter de faire des conneries. Donc sanction ténébreuse, j'espère qu'il n'OS pas, ce serait vraiment une mauvaise chose en soi. Ok, rectification, il OS, on en est sûr maintenant. Alors, parce que 519 ça fait beaucoup de dégâts, mais ça fait quand même beaucoup trop là, non? En soi il n'a que 5 PM. Pas vraiment que ce mob n'OS pas. Hein. Parce que pour le coup, il n'y a rien de plus chiant qu'un mob qui OS. Hein. On va partir sur un réseau. Un réseau? Tu es fou. Bon. Muti. Rempli. Oh, j'ai fait de la merde. Est-ce que j'ai fait de la demi-merde? J'ai fait de la demi-merde. Et Pédiop. Hop, ça vire. Non, les gars, mais ça vire pas. Bon alors je pensais pas, normalement ça fait pas moins 170, enfin bon c'est pas censé s'afficher comme ça les OS mais bon. Je suis en 1.29 du coup j'ai peut-être oublié certains trucs. Hop, destructrice et cinglante, la cinglante c'est très fort contre un mob qui n'a que 5 PM évidemment, parce qu'il en a plus que 3 du coup. Et puis on va le taper à distance puisqu'il a l'air d'être absolument abusé au niveau de ses dégâts au corps à corps. Et je parierais quand même sur le fait qu'il OS mais bon. Hop, on va qu'on frappe de ce qu'on peut hein, toujours ça de gagner. On va ramener le panda à la vie. Non, on ramène pas le panda à la vie. Pour l'instant, c'est pas important de ramener le panda à la vie en soi. Ah, fouetté. Ah, c'est embêtant ça. Hop. Bon, en fait, il fait rien à part invoquer là, c'est ça? Genre, je sais que j'avais pas une mémoire énorme du mob, mais s'il fait rien à part invoquer, on n'est pas trop mal quoi. Enfin, je suppose qu'il va se remettre dans son cocon assez vite, mais s'il se remet dans son cocon, c'est pas mon problème. Hein. Je n'ai qu'à le debuff en soi. Donc on va commencer par le mettre dans une situation qui m'avantage. La situation qui m'avantage c'est s'il était pas à 3 PM mais à 4. Pas si parfait que ça. Transposition. Coopération pardon. On peut admirer les géniales erreurs de jeu toutes stupides. Et puis ici du coup je peux apaisante à cette distance là parfait. C'est pas ça aujourd'hui hein, ça ne veut pas hein, je... Bon, je suis décidé à bien jouer, hein, je vous jure. Bon, je suis fatigué en même temps, donc je fais pas toujours toute attention. C'est-à-dire que je tryhard plus en rasboule en fait. Quand même. Alors, il est immobilisé complètement, il ne peut juste rien faire. Donc, normalement, s'il peut rien faire, il passe le tour. Il y a encore un PM malgré le fait qu'il est apaisante et cinglante. Tu déconnes? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai loupé? Genre, avec apaisante et cinglante, t'arrives à bouger, mon gars? T'es fait en diamant, c'est pas des bottes que t'as, c'est des bottes de 7 lieux, tu voles, là, tu marches pas. Points de mouvement, c'est des points de tri. Bref. Hop. Hop, ça vire. Mais vous peut-être pas rester ici, là, non? Rien, je pense que avec Flash 50, du coup, il a 0, hein. Je suis pas en train de me rassurer du tout là en fait. Normalement ça peut passer si je fais ça comme ça. Parfait. Hop, rapidement. Voilà, cinglante, il est à 0. Y'a pas de problème. Monte à 0. Tir critique aussi, puisqu'on va voir la punitive à faire, parce que j'ai raté ma punitive du coup, mais c'est pas grave. J'en ai putain de rien à foutre, j'ai l'impression. DPA, ça ne sert à rien d'en donner. Hein. Enfin, la gestion des PA, si on peut pas aller au corps à corps en soi. Bon, c'est vrai que ça serait encore un mob qui est à jouer à la colère, hein, évidemment. On va s'en débarrasser. Ah, fait chier. Cinglante. Pourquoi pas le panda du coup, hein, on n'est pas à ça près, j'ai failli lancer le mauvais sort. Le panda parce qu'on est... Des dégâts sur le Yop et le Dragonnet, c'est pas plus mal. Voilà. Puis dès que possible, je reposerai un Crackler évidemment, qui va frapper. Moins 111. J'ai vraiment pas envie de tester de mettre la sacrée au corps à corps, donc on va mettre... Quel tacle, c'est la question. Combien d'agile la sacrée? 95. Si elle tacle pas, je tente une fuite. Une fuite bête et méchante. Ok, elle a taclé, c'est la bonne nouvelle. La punition qui passe, toujours quelques dégâts qui passent en soi. Là, une ronce. Un peu de brousse. On va reculer d'une case pour que le panda puisse se dégager. Sram va revenir, hein, il faut qu'il se déplace jusqu'à la zone de situation. Il a frappé 2 fois. On est d'accord, on a bien vu. Hein. Il a lancé 2 sections. Donc il l'OS pas. Il fait juste très très mal. Il a frappé 2 fois. J'ai joué tout le combat en pensant qu'il allait m'OS. C'est super. Hein. Bon, c'est pas grave. Un piège ici. Là. Là. S'il l'OS pas, bah, je propose de mutilation, concentration. Et vu la position dans laquelle il est, une épée d'Yop serait parfaite pour tuer le Corbac derrière au passage. Voilà. Bon, après, peut-être qu'il va faire assez mal pour tuer le... On va voir, hein. Tuer le Yop. Multive. Et destructrice. Résistance encore. Et... soigner le panda qui n'est plus ciblable à cause de ce bug de résurrection à 2 balles. Hop. Hop. Une vulnérabilité terrestre et on va rajouter une panda attaque. Et donc grâce aux vulnérabilités terrestres que je ne peux pas spam, il n'est plus qu'à 10% de résistance à la terre. Je pourrais aussi mettre des vulnérabilités feu en soi, c'est pas une mauvaise idée. On va monter, on va taper. Par ici, il y a le Sram, c'est ça. On va lancer un Corbac sur Maître Corbac. Oh, ironie cruelle du sort destiné. Châtiment vitalesque au cas où, quand même, on n'oublie pas. Et puis, pied du sacré-cœur, tout simplement pour voler de la J. On se décale. Là, ça va devenir un peu la barbarie habituelle et répétitive d'un massacre sans nom. Hop, on continue comme ça, tout simplement, il n'y a pas plus à se poser. Et donc fais-moi voir à quel point tu frappes, hein. Vas-y. Ah oui d'accord, tu pars sur la nid, toi tu... Oui, t'es un vrai connard quoi. 514. Ouhou. En soi il frappe fort. Hein. Et le terrible cocon dont on parlait tout à l'heure. Alors. Cocon sur lequel on va pouvoir profiter de la situation pour poser... Piège là il me semble, on peut largement, hein. Un piège ici. La Sadie puisque toujours le debuff, hein, donc faut pas que je le pousse pour l'instant. Donc je vais retirer le piège impulsif parce que pour l'instant en fait la situation me permet pas de faire un réseau correct et d'utiliser Maître Corbac dedans. Donc la situation me permet de mettre tir puissant juste avant d'appliquer le debuff. Pareil, donc la ligne est morte, mais c'est pas grave. Hein. On va pouvoir faire vulnérabilité terrestre, la deuxième, donc il est plus qu'à 2% en terre, et incandescente. Donc là, il me vole de la vie à tous les personnages, enfin, après en leur ayant appliqué un debuff, si vous voulez, tout simplement. Hein. Donc, plusieurs choses à faire. Techniquement, poser le Dragonnet ou poser un Crackler, c'était une solution. Ici, on va juste poser un Crackler auquel on va donner des PA. Il va être con et frapper dessus, mais c'est pas grave. On va lui donner des dégâts aussi. Il devrait pas se tuer non plus, malgré le fait que les dommages sont retournés sur quand même 250, ce qui est énorme. Il devrait pas se tuer. Il devrait résister quand même un peu. Voilà, il prend que 40. Bon, bien sûr, il fait 0 dégâts parce que forcément, bah, il n'y a pas de dégâts faisables là-dessus. Hop, ici, on va juste détour. Et puis, on va faire châtiment forcé et châtiment agilesque. Tranquillou. On va se mettre sur... Ah, la case ici est buggée. Putain, je l'ai... On débuffe le machin bidule. Non, parce qu'il absolument pas ce qu'il fait. Du coup, les faiblesses que j'ai mises sont des debuffs aussi. Je suis en train d'y penser, mais c'est pas grave. J'en ai rien à faire. Hop. Voilà. T'es content? Tu veux te barrer? Tu vas revenir, hein, je vais te foutre dans les pièges. Non, pas l'Osamodas. Trois fois il frappe. Oh, 179 EV. Oh, la Nini est presque morte. L'Osamodas, c'est pas un problème. Faut qu'il meurt. C'est juste un problème qu'il y a plus personne pour reste derrière. Donc on va éviter les conneries. Donc on va faire une attaque mortelle. Ensuite, on va faire un coup sournois. C'est pas grave. Faut que l'Osamodas prenne quelques PV. Mais juste, on va mettre une arnaque. Et là, il faut absolument que la sacrifice l'Osa. Simplement, ça peut pas le faire. On va bon. De toute façon, je trouve un pour faire autre chose. Souffle, dégage ça. C'est sérieux, putain. Ok. Ici, normalement j'ai plus besoin de faire attirer l'oignet, ça devrait passer, parfait. Punitive et cinglante, punitive et destructrice, pardon. Voilà. Et là, normalement, on va utiliser le joker absolu de la triche la plus absolue, la plus totale. Le casse-toi par là, tu survivras, tout simplement. Et ça nous évitera des ennuis. Donc j'aurais pu le terminer déjà le combat depuis un moment, mais depuis tout à l'heure, surtout ce que je cherche à faire, c'est pas ça, c'est ce que je cherche à faire, c'est le challenge évidemment pour tenter le clacose. Donc c'est problématique tout ça. Qui a besoin de soins ici? Hop, là. Il faut que la Sadie me pose absolument en avoir besoin. Il faut que la Sadie me pose. Ouais. Ok. Mieux vaut faire survivre la sacrée pour l'instant parce que ça tourne au bordel. Et mieux vaut que tout le monde le frappe un peu à distance. On va le contrôler encore une fois aussi niveau des PM. Alors je l'ai pris dans la... Je pourrais invoquer la surpuissante en cas d'urgence en tout cas. On va invoquer une gonflable parce que c'est nécessaire. Mais en cas d'urgence je peux mettre la surpuissante. La surpuissante dans tous les cas réglera le problème des PM. N'ayant que 5 PM et 105% et la surpuissante étant capable de mettre un taril à 0. Je pense qu'elle peut quand même le faire. Donc là il va tuer le panda. Non il met qu'un coup. À mettre deux coups, il a failli le tuer, tu l'as raté. Tu m'as raté. Donc, oh putain, il me reste 7 PV, j'avais oublié ça. Bref, attaque mortelle, piège mortel, coup sournois, 51, 194, 241, parfait. Et ensuite le Yop. Le Yop, il va arriver, il va faire hop, mutilation, amplification, concentration. Intimidation, parfait. Nice. Flèche destructrice. Flèche cinglante. Nice. On a aussi très bon en PV, c'est pas trop grave. Ok. Vulnérabilité terrestre. Un coup de gueule dans le bois. Je vais me cibler moi-même, putain, c'est n'importe quoi. Hop, et encore on frappe 96. Ça lui rend des PV, c'est l'horreur. Si je pose le Dragonnet, il va me débuff, c'est une bonne chose. Il va mourir justement. Et puis une griffe cinglante aussi, ça fera du bien. Ah, c'est vrai qu'il y a un. Qui apparaît où? Panda qui apparaît là où on peut quand même frapper, c'est pas grave. Hop, parfait. Donc il devrait être débuff et taper. Ah, il a débuff la Sadie plutôt. Écoute, t'es un vrai connard, t'as ton invocateur qui est presque mort et tu prends ça débuff l'autre. Hein. Bref, c'est pas grave, il lui reste 1234 PV, ça devrait être assez rapidement fait. Capture d'âme, c'est le moment, tout simplement. Tout simplement. On va rajouter donc un coup de ronce, un coup de feu de brousse. J'ai pas la portée de la miche, c'est pas grave. Le Sram est presque mort, mais il devrait pas aller dessus. Il y a le panda Liop, il va chercher de le tuer peut-être. Je pense qu'il va quand même aller sur le SRAM. Il nous reste 3 PM, en soit il peut. Donc il va tuer le panda évidemment et puis il va tuer le SRAM. Ah c'est pas grave. Comme j'ai dit et redit à plusieurs reprises et à plusieurs étapes, je suis largement sauvé. Si tu le Osamodas c'est la galère. 25, 13. Pour le Osamodas il est. Bon il est débuff, ça va. Ok. Hop, mutilation, Pression, concentration, simplement, encore une fois. Ah, je suis pas du tout bien calé là. Ça passe pas, c'est très embêtant. Je crois que j'avais même pas la portée de façon pour la mettre. Si, tout juste, mais bon. Hop, ici. Ça, on va reboost la punitive. On va voir après. Osamodas, il va nous mettre. Pourquoi pas l'invocation d'Arachnée, tiens. Oh, c'est pas passé en critique, dommage. Avec des PM. Donc ça. Pour l'instant, je peux rien faire d'autre. PM, elle est déchaînée, quoi. Crackler, lui, devrait pouvoir taper deux fois. Qui devrait nous descendre le boss quand même assez bas. 62 et 59. Il perd des PA aussi, ce qui empêche techniquement d'attaquer un peu plus. Et puis ici, on va mettre donc des robades. Voilà. Et on va aller sacrifice le Yop et le Crackler. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah, comme je sacrifice le Yop et le Crackler et qu'ils ont des robades, et bah, techniquement il peut rien faire, hein, il peut pas les taper, enfin s'il peut les taper mais ça va reculer, on va poser notre gonflable aussi au passage. Ça va les faire reculer en fait, au lieu que la sacri prenne des dégâts, ou que le Yop prenne des dégâts, ou que le Crackler prenne des dégâts, ou que l'Arachnée prenne des dégâts. Ils vont juste reculer d'une case, et donc il a que 5 PN, donc il peut pas aller jusqu'à l'Osamodas, il peut pas aller jusqu'à la sacri, etc. Et la sacrée va venir à lui tout simplement. Il peut rien faire, juste faire glisser les gens. Donc ça a bugué évidemment au niveau de l'affichage. Voilà. Et donc 1, le Yop peut revenir grâce à mutilation, ce qui est bien. Et 2, la sacrée va pouvoir punition en fait. Ça c'est très important. Donc il revient grâce à mutilation. Il va faire donc concentration, pression, simplement. La crade grâce au glissage a en plus la ligne de vue. J'avais même pas pensé, mais c'est génial. Donc il va pouvoir faire tir éloigné et flèche destructrice. Voilà. Et puis l'Osamodas, bah lui, il en a rien à cirer, hein, il cire les pompes. Il va juste redonner des PA à l'Arachnée ou au Crackler, qui vont jouer juste après. Ah, pourquoi pas des dégâts aussi avec, on n'est pas à ça près. Hein. Voilà. Et le Dragonnet techniquement n'a pas la ligne de vue pour frapper, donc il passe. 18. Voilà. Sacré, t'as 70%, c'est pas super pour punir. Il nous reste combien de tours sur capture? 3 tours, hein, ça va. Elle sort niveau 5, hein, je rappelle. Hein. Hop, 85, 82. Voilà. Tour. En punition. Et c'est terminé. Voilà, 860 000 d'XP pour 30 minutes. Et le clacos. Il suffisait de demander. Et Dieu exécute ça, le maître Corbac chanceux. Donc voilà, c'est une vidéo un peu longue, mais qui vous avait envie de voir pas mal de choses. J'ai eu un Corbac mort, j'ai eu un tissu sombre, j'ai eu un clacos, une baguette de boule et d'eau, des poils de Renarbot et tout. Donc c'est vraiment un... Pour le coup, c'était vraiment un très très bon maître Corbac. J'ai vraiment le faire en vidéo complet là comme ça, c'était plus intéressant pour ce donjon là que pour d'autres, parce que pour d'autres c'est juste des salles. Et je pense faire la même chose pour le dragon cochon, peut-être pas, mais pour le Minotaur le jour où je le fais. En tout cas voilà. Voilà, l'XP en 30 minutes du maître Corbac, bien sûr il est quasiment 100% de plus, donc c'est plutôt du 400 000, 350 000. Mais le clacos et tout, c'est juste magique. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez regardé en entier, vous avez eu le courage. Pensez à vous abonner, aimer, commenter et partager. Si mes petites erreurs de jeu vous ont fait rire, n'hésitez pas à me le dire. Personnellement c'est juste des petites erreurs parce que je suis crevé, que je fais pas attention, parce que je sais que le donjon est réussi. C'est juste que bon, j'ai pas envie de perdre du temps. Mais dans tous les cas... ce qui compte, c'est de s'amuser, ne l'oubliez pas. Donc on se retrouve bientôt sur la .29. Pensez à partager, abonnez-vous, commentez, pouce bleu.